Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve lundi 16 octobre. Là j'avoue, je fais une intro à ce soir. Aujourd'hui, corvée d'ensilage. On a fait une bonne partie, les silos sont pas trop mal. Donc voilà, donc là je viens de rentrer avec le petit puma. J'avais pris la petite quinstaine aujourd'hui. On a laissé la 18 au repos, elle va ressortir pour le maïs grain sûrement. Une grosse corvée d'ensilage, on y retourne demain parce qu'il faudra rabâcher demain après-midi. Bon, du maïs correct. Je vous ai fait sur les images, je vous ai fait quelques images bien sûr de cette journée. Je vous prends peut-être tard, mais bon, une petite intro, ça fait pas de mal. Et je vous laisse avec ces images-là, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et des images de l'ensilage d'aujourd'hui, là je m'en vais traire, il est 18h30, bien passé. Donc voilà, un petit coup de traite. Et bah nous, on se retrouve peut-être demain. Allez, bonne vidéo!
Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve le mardi 17 octobre. Là je viens de soigner une petite vache, une vache qui est tombée malheureusement. C'est des choses qui arrivent mais c'est chiant. Bon, je mets le fil mais normalement on essaye de la soigner pour qu'elle se relève. Je vous fais pas trop voir parce que c'est pas terrible. C'est un peu comme une infirmerie. Donc voilà, mon patron là, il est reparti à la corvée d'ensilage d'hier. Regardez les petites vaches, elles attendent. Bon, voilà. Le pâturage est ouvert, mais elles ont pas envie, elles attendent. Elles ont mangé, tranquille. Elles se posent. Du coup, mon patron est parti à la corvée d'hier. Fini, il reste pas grand chose normalement, et comme ça, ils pourront bâcher cet après-midi, je pense. Moi, je vais enlever le bandage à une vache là que j'avais fait. Après on va aller réparer, emmener de la bouffe aux vaches, aux génisses dans les pâturages. Comme ça, elles vont être soignées, ça permet de les voir aussi. On va soigner aux deux places et à la deuxième place on va réparer le parc. Le parc de contention, enfin c'est un parc entre deux, trois parcelles. Et on ramène toutes les génisses dedans pour monter dans la bétaillère. Et c'est pareil, où c'est qu'il y a des bœufs, ils se touchent donc on met tout le monde dedans. Comme ça tout le monde est parqué, on s'embête pas à les courir à droite, à gauche ou prendre au milieu du champ. Dans les quarts de champ ou comme ça c'est plus pratique. Mais bon, comme il y a eu une tempête au printemps, ouais c'est ça. Je crois que c'est ça au printemps là, quand il y a vachement plu. Il y a un gros, il y avait un vieux peuplier qui est tombé dessus. Énorme, il est. Le chêne qui est là, il est beaucoup moins grand. Il faisait le double du chêne. Et ça fait des années qu'ils disent ça va tomber, ça va tomber. Mais là il est tombé sur le parc. Enfin ça va, il a pas fait trop de dégâts. J'essaierai de vous filmer ça. Donc voilà. Allez, la vache est soignée, je m'en vais enlever le bandage. On emmène l'emballage et après on va faire un peu de contention. Allez, je suis à côté des génisses là, vous pouvez voir. Elles sont en train de manger. Voilà, on se retrouve dans la première parcelle de maïs qu'on avait fait avant le. Quand on a déplacé le silo. La dernière vidéo. Parcelle de 3 hectares, un petit peu plus de 3 hectares je crois. Ça a été déchaumé au déchaumeur à disque. Et ça a été une fois. Et deuxième coup a été semé. Avec le déchaumeur à disque aussi, mais tu sais, un petit couvert. Voilà, c'est une feuille de chêne. Et ça fait une belle parcelle. Niveau travail du déchaumeur, c'est propre. Regardez. Donc là, il y a un passage, parce que c'est une parcelle, c'est qu'on va refaire du maïs l'année prochaine. On a semé un couvert pour enrichir le sol et puis un petit coup de calcaire juste avant. On voit bien là, un petit peu, là c'est plus blanc. Ça c'est le calcaire qu'on a, histoire d'améliorer le pH du sol et la qualité de sol. Là et puis on a un hectare derrière la maison là-bas. Juste là. Là il y a une petite entrée entre le poteau téléphone et la clôture du voisin. Et il y a un petit chemin, il y a un hectare. Un petit hectare. Donc voilà. Là du coup maïs pour le printemps. On viendra faire du maïs. Mais je voulais voir, j'étais curieux. Mais le déchaumeur fait pas du bon boulot. C'est propre. Là, c'est mon patron qui est venu semer.
Donc vous pouvez voir, ça fait une belle parcelle là, et puis avec un petit hache. Donc voilà. Allez, on va lui donner les deuxièmes bottes en banage et puis on va faire notre parc. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve là, je vais te mettre la deuxième botte d'emballage au génisse que vous voyez dans le fond. Donc voilà, là je suis arrivé au parc. Donc là on a refait la clôture là. On a refait je sais plus combien, 6-7 piquets. On est nouvel arrivé au parc, donc vous voyez. Et le peuplier, il était là. On voit encore bien le tronc. Il est circonférence, c'est pas mal. Là on a nos petits bœufs. Ils attendent le granulé. On avait des petits bacs bleus là, on en met du granulé de temps en temps. Donc voilà, donc on a tout ça à réparer. On va refaire un trou là pour remettre les. Faire un trou pour mettre une traverse. J'en ai ramené deux au cas où. Donc voilà, vous voyez, ça dessert les deux parties de champ. Là il y a trois parcelles côte à côte, trois parcelles. Là il y en a trois aussi. C'est une coupe de parc coupe de foin, celle du fond en banage. Et au fond c'est là où c'est qu'elle sort au tout début. On voit pas trop là mais. Voilà, on ramène tout le monde là. On recule là avec la métaillère blanche du télesco. Et voilà. Donc nous on essaye de réparer ça et puis je vous referai des images juste après. Nouvelle traverse de posée, on a fait un petit trou. Je sais plus, on a fait jusqu'à hauteur du genou. Je sais pas trop comment ça fait. J'ai pas le compas dans l'œil. Et puis après on l'a posé, puis on s'est aperçu quand on appuyait dessus avec le télescope, elle descendait un peu. Elle descendait un petit peu. Là je suis en train de reboucher avec la terre. Voilà, déjà elle tient déjà pas mal. Elle est partie chercher un niveau pour pouvoir remettre toutes les barres droites. Que ça fasse plus propre quand même. Donc voilà, un petit peu de manutention, ça fait pas de mal. En ce froid, ça réchauffe. Allez, on continue. Allez, salut à tous, fin de journée. Là, on a terminé avec les petites mémères. Hein. On a terminé de mettre l'hélice. Regardez, là, hop. Je vous fais voir dedans. Ça fait nettement plus propre. Au moins, ils vont pas s'échapper. Il reste plus qu'avec une barrière à l'entrée. Hein. C'est l'arbre, il était tombé dessus. Du coup, ça l'a vrillé, complètement défoncé. Quoi. Donc voilà, pour ça, on pourra ramener ces petites mémères. Celles-là, c'est des jeunes, elles ont. Je sais pas, 20-24 mois, à peu près. Et à fond, on les rentre pour les inséminer. Pour qu'elles fassent des petits l'année prochaine. Donc voilà. Allez, on se retrouve demain. Et salut tout le monde, aujourd'hui, on se rend pour une toute nouvelle journée sur cette magnifique petite vidéo. Aujourd'hui mercredi 18, ouais c'est ça ouais. Je suis de retour avec le 115 et le petit broyeur d'accotement. Comme j'ai fait vendredi, on va broyer tout le tour du champ. Là je vais essayer de faire deux passages. Là on est un peu plus loin que la ferme là. Il y a 11 hectares à faire tout autour. Je crois que ouais c'est ça, 11 hectares dans tout. Il y a 3-4 parcelles de l'autre côté du bâtiment en fond. Il y a un petit bâtiment là, il y a 3-4 parcelles là-bas et en tout il y a 11 hectares à peu près. Donc essayez de passer comme ça. Ce que j'ai fait vendredi, l'ETA est venu avec les pareuses broyer le. Bah, tout ce que j'avais pas fait quoi en fait. Dessus du talus, les haies, faire sa propre, fignoler comme il faut. Déjà il passe beaucoup moins de temps qu'avant. Avant on pensait pas le broyer à commande, on n'avait pas tout simplement. Donc voilà. Moi j'essaye de vous faire quelques images. Aujourd'hui, changement de temps, il fait. Moyennement bon, il fait bon hein, clairement, mais il pleut. Regardez, c'était sous glace. Bah là, il pleut plus, mais quand je suis parti, il pleuvait. Donc voilà, quelques images de tout ça. Et puis, bah, rien d'extraordinaire non plus. Hein. Mon patron, il va ramasser leur emballage qu'on a fait il y a 15 jours maintenant. Oh, oui, 15 jours. Oui, une semaine avant l'ensilage, oui, 15 jours. Donc voilà, allez, on se laisse avec les images. Et puis, les images. Et peut-être à tout à l'heure.
Hey, salut, on se reprend là. J'ai fini. Pour ce matin, j'ai fini. Dans les creux et tout, ça fait très propre. J'essaie de vous faire voir ça demain. Je pense que je vais retourner demain. Je pense que je ferai. On verra vendredi, mais une fin de vidéo. Je vais pas vous filmer autre chose que je pense que je vais faire du broyat encore demain. Ça va être redondant, ça va pas être terrible. Donc voilà, vous pouvez voir derrière moi le petit emballage. On voit bien le plus clair et le foncé. Ça, c'était ce qui était au printemps. Là, c'est l'année dernière, printemps. Et là, cet automne, les derniers qu'on a fait. Donc voilà. Allez. Bah. Peut-être à vendredi. Hey, salut à tous. Jeudi 19 octobre. J'avais dit que je vous prendrais que vendredi, mais en fin de compte, je vous prends aujourd'hui parce que je change, je fais pas de broyeur, je vais curer les pâtures des vaches. Les pâtures, n'importe quoi. Non, la stabulation des vaches taries, les vaches qui sont en congé maternité, qui sont en préparation au village même, qui vont aller dans ces prochaines semaines, dans ces 13 et 3 là. Tac. Donc voilà, je vous fais quelques images et on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à s'abonner. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Allez, des images du curage. Bon, je pense qu'il y aura que ça aujourd'hui. Mais si, il faut que j'envoie une botte de paille aux vaches taries qui sont derrière la maison. Hein. Histoire qu'elles continuent à se nourrir comme il faut avec un peu de sec. Parce que on a pris à peu près 8, entre 8 et 10 mm aujourd'hui. Enfin, hier et aujourd'hui. Cette nuit, il a pas mal plu. Donc ça a pas mal mouillé. C'est pour ça que je ne fais pas de broyeur aujourd'hui. Allez, on se retrouve juste après.
on se retrouve là, j'ai fini de curer, comme vous pouvez voir. Voilà, j'en peux voir des murs, mais ça c'est rien. Là, il y avait une marche. Il y avait une marche de, je sais pas, il y avait 20 à 30 cm. Du coup, j'arrivais pas à remonter. Et à la fin, j'ai dit, bon, faut qu'on mette du galet, parce que c'est le bordel. Et puis là aussi, on avait 2-3 trous. Là, on avait du trou. On a mis du galet, ça, on a fait tout ça propre. Même pour niveau confort des vaches, c'est mieux. Ça fait faire une marche, ça fait un petit glacis qui monte tout doucement. Donc voilà, là je suis avec le petit 125 avec la pailleuse. Je vais mettre un petit coup de paille, un bon roulis de paille ici pour les vaches. Je vais pailler les bœufs au fond. Et là je m'en vais remettre les vaches là aussi, juste avant de. Dans ma grotte, il y a trois cases et trois lots. Bah, l'autre, il y a une troisième case, c'est la vache tari qui avait mal au pied, à la patte. Et là c'est deux cases de vache tari en préparation. Avec la petite caméra qu'il y a, donc comme ça elles sont sous surveillance H24. Allez, je déplace les vaches et puis je vais voir le paillage. Nickel. Et je sais pas si vous voyez hein. On voit, je pense qu'on voit un petit peu la caméra, la différence de béton. Là c'est le nouveau béton qu'on a fait le dernier coup. Vous voyez, il est tout neuf là. Là c'est l'ancien. Et ben, niveau rabotage c'est nettement mieux. La largeur est impeccable. Et même pour curer avec le petit glacis qu'il y a comme là, ce qu'on a refait là, ça va très bien. Hein. On braque le télescope, toc. Donc voilà. Allez. Bon, ce sera une fin de vidéo pour moi, j'espère que. Enfin, une fin de journée. Peut-être, je ferai peut-être la conclusion demain, on sait pas, on verra. Allez, en tout cas, elles vont être contentes sur un bon lit de paille au sec, ça est impeccable. Il y aura moins de bactéries dans le paillot. Et c'est un meilleur. C'est mieux pour les vaches quand même. C'est comme nous, quand on change nos draps, c'est nettement mieux. Allez, à peut-être à demain et quelques images du paillage.